Et maman, elle va bien? Elle va très bien, maman, elle est venue te saluer. Ok, tu as bien voyagé? Non, juste un peu de fatigue. J'aime ça quand on voyage, ça fatigue. Tu m'as gardé, j'espère. Même pas grand chose, mais je t'ai quand même gardé. Ok. Et alors, tu dis que je suis tombée sur une histoire l'autre jour. Tu ne peux pas me dire que le genre que les fesses de la femme sont supplées. Et puis on va lui décider d'être au bout du mal. Tu as osé ce sujet, man. Tu as encore ramassé le côté. Ça me dépasse. Et le pire même, c'est qu'ils font les coups, on les paye. On les paye, sérieux. Donc tu peux me dire que moi, je ne vais pas me placer comme ça là. On va me mettre ça par derrière. Pour qu'il me donne les... Il veut faire quoi avec sa manne? Aïe! Je dis qu'elles sont là dehors. Elle est brune, elle est marron, elle est rouge. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Je sais qu'elle est derrière, elle est brune. Coucou. Avec la femme, comme elle est brune, elle a tellement les copines brunes aussi. Elles sont bien belles. Pourquoi tu me regardes comme ça? On disait ça encore, quelle bombe que tu nous as amenée ici? Quelle est la bombe? Hein? Ma petite soeur. Ta petite soeur, quelle petite soeur? Je ne connais plus Amel. C'est Amel qui a grandi comme ça? C'est elle. Mon mariage. Merde! Et tu viens avec elle, tu ne dis même pas de venir nous saluer. J'attendais qu'elle dépose son sac. Jesus! Qu'on a encore un tonton ici? Elle ne peut même plus se rappeler, ça fait moins 8 ans qu'elle est partie d'ici. Je pensais si tu étais encore petite comme ça. Salut, tonton Noël. Ça va? Oui, c'est tonton Baguel. C'est Baguel, hein? Baguel tout court. Oh, maman de Baguel, maman long tonton, oui. Tu es jolie, hein? Tu as comme les petites qu'on appelle Zoumiel là dehors. Jolie, hein? Et à quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? On se connaît, non? On se connaît, ça veut dire quoi? On se connaît, on se connaît. L'enfant, il a vu l'enfant grandir ici. Il l'avait même me vagué. Il m'a couché, je me souris, me bille. Il l'avait même, mon frère. C'est quoi qu'on se connaît? Il faut qu'on se respecte. Il faut apprendre. Oui, oui. Ah, maintenant tu parles comme un grand. On rentre. Non, ça, vous me prenez même pour qui ici? Un enfant qui a vu grandir. Il faut qu'on apprenne à faire respecter. Avant, on s'excuse, non, man? On s'excuse quoi? Moi, ça m'énerve. Un enfant qui a vu grandir me dit quoi comme ça, là? Ça, c'est quoi? Moi, c'est mon avantage, alors, non? Elle n'a même pas grandi devant moi, elle a nous même pas. Donc, ça veut dire que moi, je peux gérer. Toi, non, je savais que c'est ce qui allait sortir dans ta tête. Ne laisse pas l'enfant courir grandir. Comment elle vient d'arriver là? Tu veux aussi gâter. Ne laisse pas. Moi, elle n'a pas même dormi. Toi, tu veux savoir les fourrés, tu sens même. Oui, il y avait les fourrés. Donc, comment elle a vu grandir? Ça a ton avantage. Ça a ton avantage. Quel genre d'amis me conseille, je ne sais même pas. Tu ne peux pas laisser l'enfant quelqu'un grandir en paix. Pour le moment, son âme ne le sait. Amel. Ah, bonjour tonton Baguel. Toi aussi tu m'appelles du tonton Baguel comment? C'est Baguel. Tu es parti où comme ça? Je suis en train de chercher pour puiser de l'eau. Tu peux puiser de l'eau comme ça? Oui, oui. Tu connais la sauce? Non. Tu connais pas la sauce, tu peux puiser de l'eau, qui va te connaître là-bas? J'allais me renseigner. Là, la sauce est cachée loin là-bas. Ah bon? C'est caché au fond là-bas. Mais si tu veux t'accompagner. Okay, tu parles en créé en attendant qu'il finisse de faire ce que tu as qu'à faire là, après t'accompagne encore. Ok, encore. Yes, mon combi Baguel, yes! Donc, yeah, que l'enfant s'est arrivé ici, la bim, elle sort de chez toi. C'est comment avec toi? C'est quoi, non? Hein?
Non, tonton, c'est pas ce que tu crois. C'est même pas ce que tu crois, tu es dans ma tête. Bon, selon toi, c'est quoi? Il a proposé m'accompagner à la source, puiser de l'eau. À la source? Il y a la source dans le quartier, c'est le robinet ici derrière, ici. Il y a la source. Tu connais pas que la source à Bamba? La source qui est à Bamba, tu connais. Il est toujours en train de mentir à son avantage. Il dit que le robinet ici, hein, ici. Quel robinet? L'eau de Kamouate est sale. Oui, nous tous on sait que l'eau de Kamouate est sale. Mais t'as dit qu'elle a fait quoi avec l'eau là? Tu me l'as fait quoi avec l'eau là? Je vais laver les assiettes. Et tu me dis pas ça depuis? Regarde. Robinet, c'est là que tu me on disais. On peut t'accompagner sinon. On part. Et complice. Regarde, tu n'as même pas peur de God. Comment avec toi? Les enfants de couille, yeah, yeah, qu'elle est arrivée. Yeah, yeah. Regarde, les enfants de couille. Yeah, toi non. Et tu sais, on t'a m'envoyé. Quelqu'un là, toujours en train de mentir. Toujours, parce qu'il veut détourner les enfants des gens. Je te propose m'accompagner. Il te propose quoi? Même si tu ne dois même pas l'écouter. Voici le robinet ici. Voici ça. Je te dis que la source est à gauche, c'est à droite. Tu ne peux pas écouter le genre de personne là. Et lui te raconte les bêtises. Vive, donc vous ne pouvez pas voir un pays se passer au quartier, vous fermez aussi vos yeux. Mais grand, est-ce que tout le monde peut demander quel pays c'est? Non, tu me connais, c'est ta pays, non? Je ne demande même pas. Mais grand, toi tu vois pas que en tant qu'elle, elle ne prend pas sa peau de nuit. Tu es d'abord là, même une fois, tu ne parles même pas bien faire sortir, mais quand ça peut donner comment? Mais grand, donc si Dieu m'a donné comme ça, il faut comment il meurt? Commence d'abord par bien parler. Là, on va voir si ça peut donner un. Donc, tout ça, c'était pour me demander au frappant. Mais il ne faut pas demander au frappant devant ta police. Mais c'est quoi? Tu veux baisser mon charisme? Je sais, ça te parle. Mais dans ce point, tu m'as dit avant-hier quand j'ai eu. Donc, tu l'envoies encore. N'est-ce pas, tu es hacké, non? La chose est va te prendre dans le quartier, c'est là. Là, elle m'a chanté. Oh, tu m'as payé, payé. Je suis avec. Oh, t'es dit là, il faut arrêter de causer n'importe comment. Bah, le quartier ici là, c'est pas comme tu crois. Surtout ton tonton Bagouel là. C'est un mauvais gars. Ils ont aussi pas été à mentir aux enfants pour gâter seulement. C'est comme. Vous ne me voyez pas. Ok, au mieux. Quoi que tu prêtes à boire comme un chien comme ça. Tout à l'heure, les sorts de mes marches, je vois ta petite soeur sortir chez mon ami Bagouel. Comme si. Oui, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'est proposé de m'accompagner pour dire de l'eau, puisque je connais pas où se trouve la source. Et il sort, il faisait comme et ça. Tu... Il a demandé que je l'attende chez lui le temps qu'il finisse de faire ce qu'il avait à faire. Et il y a quel problème? Il y a quel problème comme ça? Jusqu'à il manque à l'enfant que la source, il y a la source au cachet ici. Il y a la source. Moi, je ne vois pas de problème. Est-ce que tu étais là? Elle devait se renseigner chez qui? Elle connaît quoi? Je ne vois pas de problème. Mon ami, elle n'a pas vu nos personnes, seulement chez mon ami Bagouel. Elle connaît qui? J'ai présenté qui? Quand elle est arrivée, j'ai présenté qui? Ok. C'est pas Bagouel et toi? Faut pas dire, tu ne peux pas dire demain ouais, après. Il n'y a pas de problème. Passe à la maison. Il n'y a pas de problème, hein? Moi, je ne vois pas de problème. En tout cas, moi, j'ai parlé. Faut pas dire demain après demain qu'il n'est pas fou. Le gars, mon ami là, c'est un mauvais garçon, hein. Comme ouais, il... On a compris. On a parlé avec toi. Ça va alors? La mélodie. Oh, on dit quoi, non, mon complice? On dit quoi, quoi? Tu me salopes pas, man. Je savais pourquoi. Non, il faut partir chez toi. Mon frère, depuis tout à l'heure, tu as pas bien le mal, là. Non, il faut partir chez toi. Par exemple, voilà qui vient encore ici. Après, il va suivre les scores ici, là. Pardon. Mais t'es mon combi, père. Moi, je suis pas un. Comme tu viens là, après, un faux va se passer. Si on va dire que c'est à cause de moi, que c'est moi qui t'amène ici. Non, pas chez toi. Quand on va se séparer pour ça? Il faut go. Non seulement, pardon.
Ah, ok. Ouh, lui, il est fini. Amel, s'il te plaît, viens. Veux-lui. Tu vois la boutique qui est au niveau de la pompe, là, non? Celle qui est au niveau du lampadaire, là? Oui, la pompe qui est à côté, le lampadaire un peu devant. D'accord. Prends cette chose, je vais dire, tu m'as servi de 500. Ok. Dépêche-toi, pardon. Amel! Amel! C'est comment? Ça va. Tu n'as pas de... Ma grande sœur m'a envoyé la boutique acheter de l'huile. Ah, ok. Mais tu m'as mis dans les problèmes, Amel. Moi, j'ai rien fait, c'est de ta faute. Tu m'as menti que la sauce était loin. J'étais mal, la sauce est loin. La sauce est là-bas en bas. L'eau de la snack, on ne boit pas ça. Ça. C'est sale. Tu vas avoir mal au ventre. Et en plus, tu m'as même pas expliqué ce que tu vas faire avec l'eau là. Parce que moi, je savais que c'est l'eau à boire. Tu m'as pas dit que c'est l'eau, tu vas laver les assiettes, bien tu vas laver le sol. Tu m'as pas expliqué ça. Si tu m'avais expliqué ça, c'est qu'il te manquait là-bas. En tout cas, moi, je peux pas me laver toi. J'aime pas te laver avec toi. Ok, comme on n'a pas de problème ensemble, moi je n'ai pas de problème avec toi. Donc, tu peux me donner ton numéro alors, on va se rencontrer non. Parce que ton tonton là, il m'interdit vos zones là. Il ne peut même plus venir là-bas chez moi. Et là, il m'a dit qu'il passe même encore non. Il va finir ses mains avec moi donc. Donne-moi alors ton numéro, on va se rencontrer non. Avec tout ce qu'on m'a dit sur toi, il n'est même pas de mon numéro. Et qui? Ah! Donc, tu sais... Ok, il a fait me sabler. Ok. Chérie Amel. Tonton Noël. Ah, laisse-moi marcher. Appelle-moi simplement Noël. Quand tu m'appelles tonton, Noël, tu me quoi? Quand ça me rend même timide. Je te dis, c'est comment ça va? Je suis là, ça va. Tu as bien dormi? Oui, oui. Mais ta soeur, où depuis la voix? Ben, elle a voyagé. Hein? Oui, oui. Donc, l'autre jour, comme elle sortait et partait là, c'était qu'elle voyageait? Et jusqu'à elle est partie, elle est arrivée. Oui, oui, depuis. Mais il fallait donc m'appeler, venir t'aider. Oh, t'inquiète, elle a presque fini. Tu as presque fini. Même le sol, il venait t'aider à laver. Ça ne dérange pas, ça va. Et tu vas rester seule ici. Pour l'instant, je ne sais pas. Et alors, les petits gars ici, là, quand ils voient qu'une fille reste seule là, ils viennent seulement toquer. Que... Okay. Et je te dis, c'est pour te mettre en garde, non? Tu sais que, en tout cas, et tu vas préparer quoi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. En tout cas, s'il manque quelque chose là, je suis là. Tu viens me dire. D'accord. Tu es quand même ma chérie ici là. Amen. En tout cas, ici à la maison. Monsieur, tu pars où? Mais c'est toi que je cherchais, non, ma? Tu peux me chercher en direction des toilettes. C'est là-bas qu'on puise l'eau. Moi, je suis à la maison. Tu prends d'abord le seau pour aller puiser l'eau. Comment alors que je suis là? Tu visionnes. C'est moi qui prépare, c'est moi qui pars faire le marché, c'est moi qui puise l'eau. C'est pas une raison. Quand je suis là, tu ne dois pas puiser de l'eau. Il fallait juste me dire que tu veux de l'eau. Peut-être que j'avais signé sans lui. Parce que depuis un temps, tu ne peux que voilà. Prendre la direction là. Voilà. J'espère que toi et la fille là, j'espère, il n'y a rien comme... Moi, je ne veux savais... pas les problèmes. Oh. Ah, mais laisse ça, je savais que c'est ce que tu allais dire. Donc, je ne veux pas les problèmes dans le camp. Oh. On peut mettre l'eau là-bas, tu fais ce que tu vas faire. Donc voilà. Maintenant, parce qu'il voilà passait derrière, c'est déjà devenu que la fille là. Parce qu'il est inadmissible, je sors pour aller chercher le directement.
tu poursuis la maison de la Maman, voisine. Donc quand tu me vois, je vais faire quoi avec elle? Hein? Ah bon? Je vais faire quoi avec elle? Ok, est-ce qu'il y a un problème? Nous sommes là. Pourtant, on l'a vu grandir, c'est là. Donc toi, tu me vois, moi, ton fils. En plus, elle m'appelle tonton. Il veut faire quoi avec elle? Ok, la suite nous dira. C'est la suite qu'on attend. Maman, toi, tu diras. On attend la suite. Est-ce qu'il y a un problème? Tonton Noël. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler tonton. Appelle-moi tout simplement Noël. Oh. S'il te plaît, viens un peu. Il y a quoi, il y a un problème? Oui, j'ai un problème avec la télé. Toujours la télé. Je suis sûr que c'est le câble. Les images refusent de s'afficher, c'est pas grave. Voilà, je savais. Après, ils vont venir te demander l'argent. Comme ça, va agresser les gens là. Voilà. Eh dis non, est-ce que c'est même branché? Ça ne va pas, on peut appeler tonton Bagouel. On appelle qui? Tonton Bagouel. Que lui connaît quoi? Tu as ancré sur lui donc aujourd'hui, tu as vu la télé là-bas. Tu vas arriver ici, peut-être venir griller la télé ici. Eh bien, c'est le câble. C'est le câble qui fait ça. Il n'y a pas le câble, ils ont coupé. Qu'est-ce que ça va revenir? Ça va, il n'y a plus aucun problème. Je t'ai couché dans le monde. Je t'ai dit que même si c'est comment, parce que tu m'appelles, je suis là à côté. Tu sais que je suis. Donc ici, là, personne ne peut te déranger. Moi, personnellement, je règle le problème. Hein? Je règle le problème. On peut parler dans le monde là, tu me demandes là-bas là-dessus. On peut parler tant assis comme. C'est qu'on peut parler tant assis. Quand les problèmes comme ça, les gars te disent. Non, c'est juste un petit gars là qui est toujours en train de me suivre quand je parle à l'étude. Et tu ne m'as pas dit ça depuis, pourquoi? Parce que je ne connais même pas son nom. Mais tu as quand même remarqué, non? Oui. Donc c'est pas un problème, je vais gérer ça. Et sinon, ici tu fais comment? Parce qu'il voit depuis là. Non, maman m'envoie de l'argent pour gérer, m'envoie de l'argent pour gérer. Et ça te suffit? Oui, ça va. Bien sûr. Oui, je me parce que si ça ne suffit pas, moi, il peut ajouter. C'est d'abord, tu es d'abord une fille que j'aime beaucoup. Tu es d'abord beaucoup, j'aime te voir. Les petits gars du quartier, s'ils ne sont pas bien, il ne faut pas trop causer avec eux, ils ne peuvent rien te donner. Rien. Et sinon, tu sais que tu connais la raison quand même. Le genre que tu souris là. Hein? J'ai un petit ami. Un petit ami. Et lui, il est où? Moi, j'ai un relation à distance. À distance, ne me dis pas que tu l'envoies souvent les trucs. Non. Tu peux envoyer aux gens le jeu là, ça se retrouve dans les réseaux. C'est gâté, hein? Ok, nous, on ne fait pas ça. Mais lui, il est long là-bas. Moi, je peux te donner tout. Tout, comme il te dit là, tout ce qu'il te donne là, c'est moi il ajoute, il te donne le double. Tu es ici là, une belle fille comme toi. Même on n'a pas un homme à côté. Alors que moi, je suis là à côté, que même s'il faut quoi, tu m'appelles seulement. Il sort, il arrive en super-héros comme Superman. Nous sommes ici, rien ne peut sortir d'ici, même s'il faut quoi, quelqu'un. Tu m'appelles seulement, rien ne peut quoi. C'est d'abord que tu aimes beaucoup. Dis que même s'il faut quoi, tu m'appelles. Je veux que le problème y arrive là. Fais ça bien. Pas en direction de toi. Hein. Je suis là à côté, même si tu m'appelles seulement. Ma fille, c'est quoi? J'ai un peu mal à l'estomac. Ah bon? Ça a commencé quand? Depuis ce matin. Tu as mangé quoi? J'ai mangé la nourriture d'hier qui me dérange. Ah, ouais. Tu sais que depuis que ta grande soeur est partie, c'est moi qui dois m'occuper de toi maintenant. Je dois prendre charge de toi. Donc, je dois contrôler ce qui ne va pas. Donc, si tu as un problème, tu me dis. Tu as compris, non? Bon, et si tu sais qu'entre-temps, tu as connu un gars, tu me dis. Là, s'il y a possibilité, on fait un test de grossesse.
Tu as compris, non? D'accord. Je suis là, je lave les habits. C'est quoi, tu as un souci? Non, non. Tu n'as pas de souci? Non, tout va bien. Pourquoi je te vois depuis là? Depuis que je suis là-bas, je te vois. Tu es pensif, tu es allé en l'air. Il y a quoi? Tout va bien. Tout va bien. Ok. On parle là, j'ai nos problèmes de la fois passée. Là. Quel problème? Même qu'on avait eu là, tu es toujours fâché. Encore moi. Oui, je suis même plus sur ça. Tu sais que tout va bien? Tout va très bien. Je suis en train de partir quelque part. Je ne peux pas avoir le passage. Comme si tu ne vas pas bien, Amel. Tout va bien, tonton Bagouel. Fils, il doit avoir un problème. Ça doit être petit qui a fait comme ça. Maman, ma chérie, bonsoir. Bonsoir. Oh, salut, quoi. Mais sois poli, non? Eh, oh, bonsoir. Bonsoir. Maman, tu es jolie, maman. Tu restes comme ça. C'est un peu important, comment ça? Dis-moi un peu, tu chantes ma pomme. Tu chantes ma pomme, maman. Ok. Donne-moi des mains de toucher ma pomme, maman. Tu crânes avec moi. C'est mon frère. Tu n'es même pas belle. Quand tu es trop beau. Bouge même là-bas. Tu es sorti d'homme. L'air de fille. Beau garçon. Fais ça le mépris quand tu vas m'amener là. Fais ça, tu vas m'amener le mépris. Pas d'abord chez mon grand. Eh, hey, mon cher grand Noël. Voilà, grand. Embrasse-moi d'abord. Hey, laisse-moi ma chambre. Je te laisse ma chambre comment, mon grand. Embrasse-moi. Toi, tu ne changes pas, petit frère. Ça, c'est quoi? C'est quoi comment? Toi, tu ne changes pas. Tu arrives, tu cries, t'es encore en route, tu cries jusqu'ici. Je suis fier de te voir, mon grand. C'est quoi comme ça? Tu es fier de me voir, ça fait pas 3 jours qu'on s'est vu. 3 jours? Bah, 3 jours, tu pourrais mourir. Tu es venu faire quoi? Ah, je suis venu te voir Emmanuel là-bas à la maison. Tu t'ennuies, ce n'est pas une raison. Il te connaît. Quand tu viens ici là comme ça, ça veut dire que tu as fait un forfait là-bas et tu viens ici là pour fuir ça. Tu n'as pas suivi comme exclu. On t'a exclu. Ouais. Je savais. Même pas deux mois de classe, on t'a exclu. Et si c'est comme tu es venu, ça veut dire que l'oncle là-bas a séché son cacao. Il ne veut même pas, tu passes à côté. Mais vous avez envoyé une nouvelle qu'il a séché son cacao. On te connaît bien. On te connaît. Il a séché son cacao et c'est pourquoi il me demande même, il me chasse même de sa maison, il ne veut même pas qu'il reste pas. Avec raison, la dernière fois qu'il t'a envoyé livrer ses 8 sacs de cacao, tu as fait comment? J'ai perdu 3 sacs, non? Tu as perdu, toi. Perdre 3 toi. Rémen. C'est pourquoi tu ne prends pas mon jus alors? Rémen. Oui. Ton fils est ici dehors, dis donc. Il s'est écrit comme un fou partout. Bonsoir, maman. Comment? Ça va, maman. Tu viens me mettre la bouche au corps, maman. Tu lui demandes pas ce qu'il est venu faire. Tu laisses Emile l'ancre à la maison. Il a tout d'abord avant de m'expliquer, non? Avant de t'expliquer. Ben, okay. C'est quoi? Prends le jus, t'es gardé le jus. M'embrouille pas, donne ça à ta mère là-bas. C'est pour elle alors. Il a tout d'abord. Amel. Viens un peu parler. Ça va? Ça va. Ça ne va pas? Ça va. Je suis sûr que ça va. J'ai un petit souci, mais ça va. Un petit souci? C'est le petit souci là qui fait que tu t'oublies comme ça. C'est pas trop grave, ça va, t'entends pas. Je te vois, tu es trop pensif. Tu es en l'air.
Tout à l'heure, tu es passé, tu es assis là. Je ne m'as même pas vu. Je n'ai pas prêté attention. Parce que tu penses à quelque chose. Tout va bien, Amel. Ça va, tonton d'abord. Ok. Si tu le dis, ça va. Je voulais également te parler d'un truc. Parce que depuis, je ne te vois même pas au quartier. Tu crées quoi avec ton tonnel? Ton tonnel? Oui. Non, rien. Rien? Rien. Est-ce que tu sais que ça fait trois fois qu'elle est sortie chez toi? Quand ça? Il vient juste t'aider. Oui. À faire quoi? Parfois j'ai des soucis avec la télévision et le câble. J'ai des soucis avec la télévision et le câble. Il est devenu câblé. Hein? Il aide juste tonton Babouel. Il t'a aidé. Arrangez la télé. Nous n'avons pas à la télé. Hein? Tu crées quoi avec lui? Rien en fait. Depuis que ma grande soeur. Ta grande soeur est partie. Mais tout à l'heure, là-bas, tu m'as dit que ta grande soeur t'a envoyé, non? Tonton Babouel, c'était juste que je voulais pas que tu me déranges. Et puis même, tu me manques encore. Tonton Babouel, je tenais même à m'excuser pour mon comportement tout à l'heure. Non, non, il n'y a rien. Tu comprends, non? Moi, je suis pas une mauvaise personne. Il n'y a rien. C'est juste que comme je te vois, tu cogites, tu es en l'air, tu penses, je ne sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui te dérange. Non, non, si tonton Noël là t'a fait quelque chose, tu me dis, hey, on va régler son compte ici au quartier. Tu es sûr? Ok. Ça va? Mais si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu peux venir vers moi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Même comme on a fini de sabler. On a fini de me sabler chez toi. Oh, je suis une mauvaise personne, je suis comme ça, mais je ne suis pas comme tu penses là. Je suis une très bonne personne. Donc si tu veux me dire quelque chose, tu me dis. Et ça va rester entre nous. Tu as compris? Ok. Ok. Après alors. D'accord. Et j'ai un mot sang. Tu ne peux pas changer ce que tu fais. Mais changer comment? Toi, tu veux que je change comment? Il a changé tout ça de façon. Vous voulez que je change même comment? Il devient comment? Il devient transparent seulement devant vos yeux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu changeais comme tu es en train de me dire là, c'est qu'on t'a pas exclu. Moins de deux mois, petit frère. Attends un peu, gang. Le bon exemple vient d'abord d'en haut, gang. Toi, tu fais quoi chercher la matière? Tu fais quoi chercher la matière? Dis-moi un peu. Si moi, je dois tirer l'exemple chez quelqu'un, c'est chez toi que je dois tirer ça. Si c'est que je suis comme ça, je dis. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de toi. Je suis seul à la maison. Il n'y a pas un grand frère pour me conseiller. Toi, tu es ici à la matin encore. Tu ne fais rien. Tu es ici là. Tu montes, tu descends. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu fais quoi encore chez la mère? Tu te rappelles que c'est à cause de toi qu'elle n'est pas plus à l'école. Tu te rappelles? Je me rappelle. Toi, tu as laissé l'école. Moi, j'ai continué les études. Tu as continué? Oui. On a sacrifié les études de qui pour qui? Là, tu as raison. Comme toi, on ne peut pas te parler. Tu comprends ce qu'on te dit. Je ne comprends pas comment, je comprends chaque jour. Chaque jour, on me dit les mêmes choses. Chaque jour, on me dit les mêmes choses. C'est quoi? Je suis fatigué de ça. Écoutez-moi aussi, non? Faites aussi ce que moi, je demande, non? On t'écoute aussi. Oui. Bon, tu veux quoi? Vous avez dit que moi, je veux l'argent. C'est l'argent que moi, je veux. Tu veux l'argent sans travail. C'est pour ça que tu attires les problèmes partout. Il y a le cacao au village. Il y a le cacao au village. C'est ta part. C'est pour notre famille, non? Nous tous, on doit aller travailler ça, non? Quand il prend le cacao de mon oncle, il vend, on se plaint que je suis un voleur. Quand il fait comme ça, je suis un voleur. Si je ne pars pas à l'école, on dit que je suis gâté. Fais les choses donc normalement et puis on va te prendre au sérieux. C'est comme ça qu'on fait. Tu vas me conseiller à faire les choses normalement. Tu te plains que je suis encore chez maman. Mm-hmm. Hein? J'ai un travail. Je travaille déjà. Hein? Bon, il va aller en location, il va payer avec quoi? Tu ne travailles pas, tu es fier de dire ça, que toi tu ne travailles pas à ton âge. Non, dis-moi. C'est facile de trouver le travail dans le pays ici. Le pays a fait quoi? Il y a les chantiers partout, mon grand. Il y a les chantiers partout. C'est toi qui devrais me payer ma pension. Alors, c'est ça que je ne suis pas dehors. Ok. C'est pourquoi je suis venu ici là. Ok.
C'est pourquoi je suis venu ici là, pour te voir. Ok. Mais ça c'est quoi? Merci beaucoup. Mais c'est parce que ceux qui dépensent et payent là, ils sont fous. C'est ce que tu veux dire là? Je dis que... Pessa! Viens ici, Pessa! C'est ce que tu restes, hein? Tu m'amènes le mépris en danse ici que tu restes. Quel piaf. L'air de fille. Ce que tu viens de faire là, c'est quoi? Mais grand frère, la petite fille, c'est qu'elle venait ici chez toi. Il a rencontré la petite fille, c'est sûr, en train de causer avec elle. Oui. Elle piaf. Il l'air de payer ça comme ça, donc c'est ici qu'elle reste, même grand. Et tout le monde regarde-moi un peu, il n'y a pas de feeling. Elle me refait son numéro, elle me refait me saluer, elle m'insulte. C'est seulement ça qu'il y a dans ta tête. Ce qu'on te demande de faire, tu ne peux pas faire. Avec tout le feeling, avec tout, tout, c'est seulement ça. Ah, c'est quand il dit, c'est quoi, il doit être pédé avant. C'est la dernière fois. Et que tu me menaces déjà. C'est la dernière fois que tu insultes une fille là où je suis. La fille, si tu insultes la fille, si ça t'énerve. Comprends comme ça, c'est la dernière fois. Et même quand tu viens ici là, ne l'insulte plus jamais. Pourquoi? Comme il te dit là. Donc c'est me mépriser, je ne dois pas insulter. Mais c'est le mépris quand tu m'as amené là, non, cale seulement là-bas dedans. Tu continues, tu prends tes pieds, tu rentres chez ton oncle. Tu as quel problème avec moi, non? Maman? Oui, viens. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Ok. Dis à ton fils qu'elle vient ici, n'insulte plus les voisins déjà. Tu arrives quand je sens que vous faites déjà le problème, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une jeune petite fille là, je causais avec elle, elle s'est mise à m'insulter. Qu'elle vient expliquer alors à Noël que la fille là, il se met à se plaindre, comment elle me dit qu'elle n'insultait plus. Tu as quelle affinité avec la fille là? Tu connais la fille là où? C'est plutôt moi que tu dois supporter. Tu dois me supporter. Maman, tu suis. Ce qu'on lui demande de faire, ne fait pas. Vous avez d'abord un problème là-dessus? Non, on n'a pas de problème. C'est lui, il aime pour élever le ton, il ne faut pas élever le ton. C'est même telle fille qu'on parle, c'est de quelle fille? Amel! Voilà. Madame, c'est l'enfant là tranquille, c'est la petite fille là tranquille. Bon, et tu es venu pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'a exclu là-bas, on m'a exclu maman. Oh, à l'école. Oui. Tu as fait quoi? Comme je suis un redoublant là, on m'a vu marcher avec certains élèves. Non, mais elle ment. Il n'y a pas la place ici chez moi. Hein. Il n'y a pas la place. Donc tu as intérêt à aller retrouver ton oncle. Mon oncle il me chasse de la maison, il dit que son cacao doit avoir séché. Je n'ai même pas la place ici. Même pas. Voilà d'abord les bataillons qu'on m'a abandonné avec. Donc toi tu vas encore venir faire l'effectif. Entre lui et moi qui doit rester ici là. Non, lui au moins il est posé. Mais pour toi là, juste à ce qu'on t'exclut. Non. Quand, imagine tu viens habiter ici une fois, ça va faire comment? Qu'est-ce que ça va se passer? Il comprend. Toute la famille est contre moi maintenant. Toute la famille est contre moi maintenant. Je m'habille, on monte chez l'homme. Tout... Moi pas, je ne t'attends pas. Attends-moi là. Je pars. Si toute la famille est contre moi, c'est quoi comme ça? Remets. Mais il y a quoi, tu es devant la porte, non? C'est quoi? Tu sors d'où? Hein? Tu sors d'où? J'étais à la boutique, non? Pour faire quoi? Qu'est-ce que sorti? C'était qui partait à la boutique là en route, non? Voilà. Tu aimes le problème là, merci. La petite fille là, qui est à côté là, j'ai constaté tout à l'heure en train de cracher. Mais l'autre jour, je t'ai dit qu'elle ne traite qu'il y a avec elle, non? Pourquoi tu ne fais que me parler de ça? L'affaire de cracher là, moi je veux pas les problèmes dans ma maison. Je ne veux pas moi les problèmes. Oh. Hmm? Il faut pas qu'un jour. Je ne veux pas. Faut pas que ton nom sorte dans l'histoire là un jour. Parce que le cracher là, oh, je sais déjà la suite. Il connaît déjà la suite. Même comme elle est en train de me tourner là. Il connaît déjà la suite. Il faut pas que ton nom sorte dedans un jour. Moi j'étais dit ici qu'il y a une crête qui est avec. En tout cas, tu as pour faire quoi. Il n'y a rien pour faire. Donc, je rends que tu m'accueilles seulement avec les problèmes. Il y a rien à manger là-bas dedans. Hey.
Achem, il y a trop les problèmes. Il y a rien à manger trop. Entre. Mais je te plains. Donc, même si il n'y a que plein. Entre, entre. C'est ta maison, non? C'est toi qui me commandes dans ma maison. Entre. La mère. La mère fait quoi? Toi là, non? Attends. Maman, les enfants d'aujourd'hui vont nous tuer. À peine sa soeur voyage. Ça, c'est quel genre de symptômes? Ça, les crachats, les vomis. Ah, pardon, je ne veux pas les problèmes. Attends, j'appelle sa mère. Allô? Oui, bonjour, ma. C'est comment? Ah, ça va, nous sommes là. Il te dit qu'il y a une situation ici, là, ça ne donne pas. Hein? Il te dit, ça ne donne pas. Ce n'est pas ta fille. Depuis un certain temps, je vois sa mine a changé. Elle crache, elle vomit. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il faut un peu venir. Mm-hmm. Il faut venir. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste comme ça, la surprise nous surprend. Mm-hmm. Je suis à la maison. Ok. Oui, elle-même, elle est à la maison. Ok, d'accord. On t'attend. D'accord. Mais Mathé, il y a quoi que tu me demandes de me dépêcher? Laisse le travail qu'il y avait à faire. C'est parce qu'il faut connaître ce qui ne va pas là-bas. Là, c'est la bonne. Mais tu pourrais venir t'informer de la situation, après tu m'appelles. Bon. Quoi? Viens comment, il voit comment tu es, il y a tout jeune, il y a quoi? Je me sens pas bien. Et tu dis qu'il n'y a rien? Il n'y a rien comment? Tu as su qu'il n'y a rien? Viens, viens te passer ici. Toi aussi, il n'y a rien. Tu as su qu'il n'y a rien? Ce que la voisine m'a dit là, tu as su qu'il n'y a rien? Tu n'es pas enceinte? Tu es enceinte non? Tu as su? Allons chez la voisine. Viens pas! Si ça arrive, que tu as fait, on ne va pas te dire. Allons! Oulali! Tonton! Tonton, tonton! Oui, 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 c'est qui? Hey, la mère, où est-elle? Tu m'as dit, je vois comment elle est un peu gênée. Oui, bon, j'ai constaté ça à plus de deux fois. Deux bons jours. Je me suis dit que peut-être c'est quelque chose de passager, mais j'ai vu ça persister. Elle dit que non, il faut que je t'appelle pour que moi et toi, on regarde et elle nous explique ce qui se passe. Parce que moi, je ne comprends pas. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe de mal d'estomac. J'ai mangé une osu qui n'est pas bonne. Moi, je ne sais pas. Armel, dis-moi la vérité. Tu me connais bien, non? Dis-moi la vérité. Ça a commencé quand? Depuis, en fait, une semaine, j'ai mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac? Comme tu fais mal à la médecine, là, je vais me chercher le test de grossesse. C'est très important. Je vais essayer ça. Très. Tu me connais bien. Et si ça arrive que c'est ça, toi et moi, tu ne m'ignores pas. Tu me connais. Viens. Passe ici, là. Tu vas prendre ça, tu vas uriner. Tu fais le test de grossesse. D'ailleurs, je pars avec toi. Voilà. Je pars avec toi. Bonne nuit. Maman, tu es. Hey! Hey! Voilà, je suis prêt. Les deux tests, c'est pour toi. On est le bon. Je suis pas. On est le bon. C'est bon pour encore deux semaines. Nous, on va congé. Tu es déjà enceinte. Allons, toi, maman, on va faire. Tu dis que tu as. Viens, on va chez la voisine. Voisine, regarde. Deux prêts. Deux prêts. Tu dis que tu es qui est le tien de ta grossesse? Ça va ou le boum? Estomac. Mal d'estomac. Hein? Qui t'a accepté? Mal d'estomac. J'avais dit la fesse. C'est tonton Bagouel. Tonton Bagouel, va. Qui t'a fait Bagouel? Oh, hein? Tonton qui? Tu dis quoi? Tu as percé dans ta tête. Donc c'est toi qui as accepté ma fille? Guy, tu et moi on a fait ensemble.
Faut dire la vérité, tu es la personne qui t'a enceinte. Petite soeur, on ne peut pas compter sur vous. Donc on ne peut pas mettre l'espoir sur quelqu'un. Mais de... À quel âge tu es enceinte? Dis la personne qui t'a enceinte, dis la vérité, tu vas dire la vérité. Dis la personne qui t'a enceinte. Qui t'a enceinte? Hein? Qui t'a enceinte? Dis la personne qui t'a enceinte, dis la vérité. Je vais te gifler avant que tu vas parler. Qui t'a enceinte, dis la vérité. Va me taire. Dis-moi alors, qui t'a enceinte? On a arrêté. Je dois dire la vérité. Je suis enceinte. Tu peux je savais. Voilà. Voisine, j'ai parlé ici. Dernièrement, j'étais ici là. Il causait seulement avec ton Noël là, dans les yeux. Les deux se causaient dans les yeux. Voilà ça. C'est ton Noël. J'ai parlé de ça ici. J'ai parlé. Oh ouais. Sors. Hey. Sors. Il dort lui. Sors. Donc depuis quand Baba dehors là, tu n'es pas au courant. J'avais dit l'affaire si. Hey! J'ai dit l'affaire si. Donc comme ça tu me chassais cela parce que tu vas atomiser. Mais j'ai fait hey. Donc comme ça tu me chassais cela que tu vas atomiser. Mais j'ai depuis venir ici. Hey, alors maintenant. J'ai ton ballon d'or. Ah c'est quoi? C'est quoi comme quoi? Est-ce que je parlais cela dernièrement? Tu me dis que non. Là. Laisse ça! Tu m'as chassé, c'est parce que. Oh, donc, t'as fait. Donc, comment t'as fait tonton là? Tu n'es pas fier. Tu retires le caleçon. C'est la femme qui t'a fait tonton. Donc, tu m'as chassé, c'est parce que. Aussi, là, tu as fait de tonton. Tu vas gérer. Et tu as éclaté les pieds. Et tu as éclaté les pieds. Donc, quand je suis au marché là, tout le monde me tonton. Mais ce n'est pas moi, c'est elle qui voulait. La situation. Moi, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que c'est mon fils qui peut faire les travaux. Je te jure. Le matin, je sors. Reste pas derrière, fais les travaux, il ne fait pas. Je rentre, il me manque le respect. Mais voilà ma part de bon, il peut enceinter l'enfant d'autrui. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Moi, mais je suis dépassée. J'ai même honte, même au quartier. J'ai honte. Va chercher le travail, il ne veut pas. La télé, manger, dormir. Et son seul, il me manque le respect. Voilà maintenant. Je sais qu'on va faire comment. Mon père, pardon. Maman, tu veux que je te dise quoi? Moi, je ne suis pas d'abord prêt pour devenir père là maintenant. Le mieux, c'est qu'elle avorte. Zamboudou! Ya! Ya! Bro! Tu fais quoi? Wakaria! Yo, Yen, tu as vu? Tu n'es pas au début. Tu vas porter ça sur les feuilles de bananiers. Et tu fais, il ne fait que te dire ça. Il a donc dit que tu vas avorter, oui, Havre. Échouer chez nous, hein. Dès que tu avortes, tu meurs avec. C'est ton, non? Tonton Noël. Tonton qui te donne les cours d'éthique. Oui, Warren. Yamma. Attends un peu, mon garçon. Quand tu demandes qu'elle avorte, c'est avec quel argent? Tu as l'argent. Tu ne sais pas que l'avortement est interdit. L'avortement est interdit. Et l'enfant, c'est un don de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme demain là, tu sors, tu commences à chercher le travail. Voilà, il y a une charge. Je veux voir tes efforts. Là, je veux. Moi et toi, on va chercher comment on va faire en sorte que l'enfant l'amène jusqu'à terme. Et elle accouche dans les bonnes conditions.
Emma, ça va. Ce qu'il a parlé là, c'est l'enfant. C'est l'enfantillage, il ne connaît pas. Ça doit seulement aller. C'est l'enfantillage. Parce que si ça ne va pas, c'est la police qui va nous séparer. Non. La police comment? Moi-même seulement, je l'arrête avec les mains. Je le tue aussi ici là. Non, on va arranger. Ça va aller. Tu joues les nerfs aujourd'hui. Ma fille. Tu es nerveux. Tu demandes qu'on avolte. Deux semaines, tu m'as promis un boulet. On avolte, maman. Tu vas travailler. À partir de demain, tu sors. Tu cherches le travail. Je ne veux plus te voir dormir, visionner, manger, dormir. Voilà la charge là-bas. Tu t'occupes. J'ai compris. Même quand tu m'as barré pour la gosse là. Moi, je ne sais pas comment toi tu as fait gaffe. Tu m'as chassé ici à cause de la fille ici. Donc, c'était pour venir la belle comme ça. Tchou. Gars. Tu vas gérer, gars. Tu vas gérer le problème là. Parce que... J'espère que ça va déjà, non? Ça va? Ça va. Je veux m'occuper. Ok, comme tu as pris la charge, oui. Ça va aller. Je veux m'occuper. C'est comme ça que tu voulais, non? La honte, je vais aller dire quoi au village? Une belle femme est venue tomber enceinte de son voisin à Yaoundé. Oh ouais, à Bongang. Il y a le chantier là-bas, je ne sais pas, plus tard. Donc, on va quoi là-bas demain? Là, amène-lui demain. Même s'il fallait porter le papa, un à 100 francs, il va porter. Oui. Tu vas avoir son corps, il peut supporter le papa. Il va porter. La chose est plus de gens partout. Il va travailler. Chose plus de gens partout. Mais deux. Oui, non, c'est beau. Tu vas te débrouiller avec. Bon, pardon, va un peu chez la voisine là. Tu lui demandes un casier là, elle vient. Tu viens avec. Cherche un casier, tu viens avec. On coupe la feuille. Mais voilà ça. Ok. Merci. Rien. Ce sont les enfants. Même je ne pouvais pas m'attendre à ça. Pardon seulement. Mais comme je t'ai dit là, je veux m'occuper. On va assumer. Est-ce que moi-même je refuse les petits-fils, mais ce n'est pas l'âge aussi? Elle m'a seulement surpris. Je veux même les petits-fils, mais si je ne voulais pas, là, je sais. Parce que comme c'est venu là, je prends. C'est pour moi, non? C'est pour moi. Voici quand même. Tu peux pas aussi venir et partir comme ça. C'est quand même. Ouais, pardon, c'est la main. Ah, donc tu as même l'argent. Hein? Donc tu as même l'argent. Tiens. Qui derrière moi? Qui t'a coupé de moi? Comment tu... Qui est à côté de moi? Ouais, moi je suis même pas là-bas fier là où je suis assise là. C'est le mépris là que ta mère disait ici là. Je vais mourir l'enfant. Travailler nul. En sainteté, tu es fort. Tu es déjà en sainteté. Tu ne dois plus boire. Avec ton enfant chez toi. Va, tu commences à acheter toutes les couches. Fini la bière avec toi. Remets. Merci mon fils.